soir, eh bien, Tatami va vous chanter une petite chanson. Ça vous rappellera peut-être quelque chose. Et 1, et 2, et 3, 0. Donc, cette formule bien sentie devrait vous rappeler donc un pays. J'ai nommé... La Belgique ? Non, d'accord. Okay. C'était effectivement le Brésil qui fêtait... Par la même lettre. En plus, merci, qui fêtait en plus cette année ses 500 ans. Donc avec nous pour parler de Capoeira, ce soir, Maître Hiram Custodio. Bonsoir. 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 Bien, mais avant tout ça, il y a Gérard qui va nous parler encore de la boxe. Ça c'est tout. L'UFC 28 qui a eu lieu la semaine dernière, enfin ce week-end, et Randy Couture a plié Kevin Randleman qui était le champion poids lourd. Donc il lui a un peu fait sa fête assez rapidement. Bien. Hiram, on va parler un petit peu de toi, parce que t'es un artiste en fait. Eh oui, je suis un artiste. Mais il est un artiste. Oui, dans ma vie à c'est vrai. Bon. Oui, moi j'ai commencé petit à la capoeira. Mm-hmm. Et j'ai entendu le son de birimbau dans un coin, je suis venu, la personne nous a dit rentre, vous voulez essayer, nous on a essayé pour 3 mois, après on a eu droit à faire une démonstration en place publique, c'était des groupes de carnaval qui s'y promouvaient, mm-hmm. Et nous on a dansé avec eux quoi, en faisant la capoeira avec des pantalons bleus et blancs, des rillés, quoi. Et bon, je garde toujours cette petite image. On était tout petit, 11 ans. Et bon, après, la personne est partie, on a continué à s'entraîner dans la rue jusqu'à 14 ans, quand j'ai rencontré une personne, Roger, qui m'a dit, ouais, tu joues assez bien, mais il faut regarder plus, quoi, l'autre avec qui tu joues. Je vais te donner une adresse. Et là, j'ai parti à l'académie. À l'académie avec maître Carlinhos, à collège suburbio, comme on dit, banlieue de Rio. Ouais. J'ai fait pendant 2 ans. Après, bon, j'ai continué avec plusieurs enseignants, professeurs, maîtres. Après, j'ai dû rencontrer des vieux maîtres. Parce qu'en fait, la capoeira, c'est quelque chose qui se passe de la bouche à oreille. On peut toujours enseigner un peu les mouvements, les techniques et tout ça, mais ça reste quand même superficiel. Après, bon, en 80, moi j'ai eu un copain qui m'a dit, bon, tu devais faire manika. J'étais surfiste, j'ai allé à la plage 7 sur 7, 24 heures sur 24. Oui, mais là c'est plus le côté sportif, là, c'est plus le côté artiste. Ah, mais moi je voulais savoir de rien, je voulais être dans l'eau et avoir le soleil qui me bronzait et c'est tout, quoi. La capoeira, il y a toute cette variété d'activités. La danse, le chant, le combat, la lutte, l'autodéfense, le théâtre. Bon, il y a plusieurs choses. Et c'est vrai que la capoeira, quand on regarde comme ça, les élèves, quand ils viennent plutôt pour les acrobaties, pour pouvoir exercer avec son corps des choses difficiles au regard de l'autre. Mais c'est vrai que la capoeira, c'est plus que ça. Et c'est vrai que les maîtres, moi j'ai appris comme ça, avec le vieux maître, parce que la capoeira, en ffait, elle est enseignée de bouche à oreille, vous savez. Il y a les mouvements qu'on peut proposer, on peut montrer, on peut enseigner, mais surtout, il y a les histoires, il y a les choses vécues dans les rondes de capoeira, il y a l'expérience de vie qui, ça, personne ne peut apporter parce qu'il faut passer par là pour connaître, ou quelqu'un qui vous dit, qui vous raconte, pour que vous puissiez avoir une idée de ces choses-là. Alors, c'est vrai que le rôle du maître, c'est celui-là, c'est d'enseigner, conseiller, expliquer. Il fait en sorte que l'élève ne détourpe pas la capoeira, parce qu'elle est très facile à détourper. Parce qu'une personne qui fait un peu d'acrobatie, il se dit « ouais, je suis capoeiriste », il se présente comme ça, et parfois il passe à être même appelé des professeurs de capoeira, quand il ne sait rien, en fait. Il sait des acrobaties qui, bon, une personne du cirque, du pop,
ou un acrobate quelconque, il sait des acrobaties, mais ce n'est pas pour ça qu'il est un capoeiriste. Alors le but plus important pour moi, c'est de vraiment faire passer à mes élèves la culture brésilienne, la samba, le football, le carnaval. La capoeira, elle est le moyen. Ça veut dire qu'avec la capoeira, on peut faire les gens découvrir tout ça, découvrir le Brésil. Comme une danse martiale plutôt que comme un art martial. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'historique et sur justement les différences entre les différentes capoeiras? Oui. Pour moi, la capoeira, elle est plutôt un art martial déguisé sous forme de danse, ouais, dans laquelle on voit un ballet se présenter, mais qui peut être vraiment méchant, qui ça peut mettre KO comme toutes les arts martiaux. Alors, la capoeira Angola, c'est un capoeira plutôt, les vieux maîtres ont dit que la capoeira Angola avait ce nom-là parce que les Angolais, les esclaves qui venaient d'Angola, apprenaient plus facilement et jouaient mieux que les esclaves de Guinée ou de l'Ouganda ou de Zaïre ou d'autres communautés, quoi. Et en fait, ils ont gardé ce nom-là à cause de ça. Et en plus, les esclaves d'Angola, ils travaillaient beaucoup dans le quai, à décharger les bateaux. Oui, et dans l'heure des repas, déjeuner, ouais, et tout, ouais, ça, ouais, ouais, ils reposaient et faisaient la capoeira. Et une capoeira assez spéciale, vous voyez. Parce que la capoeira, elle est née au Brésil avec le mélange de danse africaine, de culte africain, de coutumes, et avec le portugais, l'indien, les choses qui ont, vous voyez, cette mélange, oui, a donné cette sauce. Et... parce qu'il n'y a pas d'autre pays colonisé pour les esclaves africains qui a la capoeira.